Hey, salut tout le monde, c'est Zogma. Vous avez envie d'être Steve Jobs ou Bill Gates Oui, j'ai des références de presque vieux. Eh bien, vous pouvez tester Silicon Valley, ce jeu de gestion de société, de pose de Tetra Un jeu de Scott Thames et illustré par Kerry Etienne, euh, édité par Grell Games. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et mon avis en fin de vidéo, comme d'habitude. Bon visionnage Allez, nous voilà en pleine Silicon Valley. Nous, on va jouer, eh bien, où est-ce qu'il est Et qu là, on va jouer cette petite dame. On a créé notre société. Et pour tout vous dire, on s'est fait mettre à l'amende un bon gros coup d'enfoiré par cette autre personne qui était, eh bien, mon associé au départ. Elle me l'a fait à l'envers, elle m'a piqué mon entreprise. Et du coup, je suis fait devoir repartir de rien du tout. Et mon objectif, c'est d'avoir une société qui arrive à 1 milliard de dollars de valeur avant la fin de la 7 manche. Sinon, c'est ma rivale qui a gagné. Moi je joue ici ça je le retire c'est pour la lumière qui ne sera peut-être pas terrible j'ai un peu changé mon organisation par rapport d'habitude c'est pas encore au point mais on fait un test moi, je vais jouer la couleur rouge, mon Marival va jouer la couleur verte. En fait, ça nous sert juste à, sur son plateau de départ, lui donner, et eh bien ici, au niveau de la piste des caractéristiques, vous voyez que normalement, il commence sur la case verte partout, et eh bien sur son QG, il y a le bien-être et euh, la possibilité d'ascension euh, professionnelle. Du coup, elle a déjà avancé d'une case sur ces trucs-là. La tuile en elle-même, je peux la virer. Je joue au niveau de difficulté moyen, c'est-à-dire que sur ces cinq cartes-là, il y en a 2 de niveau rouge et 3 de niveau bleu. Les rouges sont plus durs, forcément. J'ai tiré en début de partie deux euh, fondateurs potentiels et j'ai choisi celle-ci. Ce qui me permet d'avoir un bonus immédiat, c'est d'avoir déjà ces euh, trois polyomino. Ça, c'est ma petite grille de recherche et développement qui va pouvoir me permettre en fait, de tester, de faire mes associations de polyomino. Puisqu'on va avoir sept actions possibles dans la partie et... La principale, ça va être de lancer un produit. Des produits qui sont ici, vous voyez qu'on peut lancer une gamme de smartphones, une console nouvelle génération, des chargeurs de téléphone portable. Et en fait, tout simplement, pour pouvoir eh bien, euh, faire ces produits, il faut remplir la forme qui est en grise sans dépasser sur les cases noires. Donc, je vais devoir associer des polyomino. J'ai sept actions possibles par tour et je vais pouvoir en faire trois par tour. Je peux faire trois fois la même sans aucun souci, mais que trois. Mes actions, c'est d'agrandir mon QG. Mon QG, il est ici. Vous voyez qu'il y a un coût d'entretien à la fin de la manche. Il y a le nombre d'employés que je peux avoir. Je commence sans employés, juste avec mon fondateur. Et puis ici, pour chaque euh, icône idée complète, je peux lancer un produit. Donc pour l'instant, avec ce QG, je peux avoir qu'un seul produit. Si je veux plus de produits, eh il faut que j'aille récupérer ces cartes. Prendre la carte. La première carte Headquarter QG, c'est 5 pièces, puis 10 pièces, puis 15 pièces, etc. Vous voyez que je commence avec 30. Donc, eh bien, prendre un QG, c'est le mettre sur les côtés, tout simplement. La deuxième action, c'est obtenir un fonds de VC. Alors, ce ne sont pas des toilettes, ce sont des capitales à risque. Et eh bien, ça me permet d'avoir de l'argent immédiatement. Par contre, ça a un coût. Les coûts, ce sont des lignes de code. Les lignes de code, ça correspond à un carré d'un polyomino. Ici, ça me demande, eh bien 5, et eh bien je pourrais dépenser ces 6. La banque ne rend pas la monnaie. Par contre, vous voyez ici, il y a une minoration. Si au niveau de mon QG et déjà des produits que j'ai lancés. J'ai ces icônes-là, de bien-être et une balance, et bien, je peux réduire pour chaque de un coup. Donc, vous voyez qu'ici j'ai déjà une balance, donc finalement j'aurai une réduction de 1, parce que chaque icône que j'ai dans ma banque, dans ma banque, dans mon QG permet de réduire de 1, donc ça me permettra d'avoir pour 4. Je gagne l'argent et ici il y, a toujours, enfin, il y a toujours un bonus supplémentaire. L'autre action possible, ça veut dire de sous-traiter, sous sous-traiter, finalement, ça va être acheter des polyomino. Des poliominaux de valeur 1 qui sont euh, ceux-là, de valeur 1$. Ne demandez pas pourquoi euh, la boîte est si grande pour quelques poliominaux. Hein, C'était euh, ce qui est présent dans la boîte. Pour 2, je peux acheter des polyomino de 3 cases. Et pour 3$, je peux acheter des polyomino de 4 cases. C'est un seul polyomino acheté par Action Sous Traité. Lancer un produit, on l'a vu. Si je suis le premier, je suis l'innovateur, le créateur. Ça veut dire que j'ai un bonus. Qui est immédiat, qui n'est pas forcément terrible parce que ça m'a demandé beaucoup de recherche et développement. L'investissement tout de suite n'est pas énorme. Mais à la fin de chaque manche, je vais gagner un gros bonus. Tant on peut comparer ça à des médicaments. Hein. Le princeps, donc je suis seul à l'avoir développé. Mon prix Princeps va être ultra costaud. Par contre, dès qu'il y a un autre joueur, et en l'occurrence mon rival, va créer, et eh bien lui aussi, il va faire le second. Euh, le second on va faire le générique. quoi. Lui, il va gagner beaucoup d'un coup parce que niveau recherche et développement, ça ne lui aura pas coûté grand-chose. Et il gagnera un petit peu d'argent sur le long terme. Et dans ce cas-là, moi, si j'ai récupéré une, une tuile d'innovation, ça va sur la phase B. Je gagnerai moins de bénéfices parce que j'aurai maintenant un concurrent, tout simplement. Donc je peux acheter un produit soit en étant l'innovateur si je suis le premier, soit en étant le second si je suis le second. Je peux éliminer un produit. Bah oui, vous voyez que bah, je n'ai pas des cases illimitées. Je peux pas avoir 15 produits en même temps. Donc je peux en éliminer un. Ça me permet de faire sauter la tuile, mais je perds un ici au niveau de la valeur de ma société. Pareil, des employés, je peux pas en avoir. Là, pour l'instant, je peux en avoir que trois, et ça va me coûter de l'entretien. Donc, eh bien, je peux les licencier. Par contre, je peux licencier autant d'employés que je veux d'un coup, mais je perds pareil un en valeur. Une fois que j'ai fait ça, finalement, l'automate va jouer de manière très simple. Il va tirer une carte. Il va faire avancer. Eh bien, ses bien, euh, c'est ces jetons-là, il va faire deux actions par partie. Il va récupérer des tuiles qui mettra ici dans sa zone. On verra ça en cours de partie. S'il arrivait au maximum d'une case, donc c'est-à-dire il y a quatre cases par, euh, trois cases pardon, par, euh, par ligne, il fera l'action de la carte qui est pour l'instant cachée. Je ne sais pas quelles sont les cartes que j'ai tirées. Et ensuite, phase d'entretien, je gagne tous mes bénéfices, c'est-à-dire ce qui est en infini, c'est-à-dire pour chaque employé, je gagne un polomino. Pour mes différentes idées, je gagne de la valeur sur ma société et de l'argent. Et après, je paie. Je paie pour mon QG, pour mes employés. Et pareil, ces produits ont des lignes de code ici d'entretien. On le reverra en cours de partie. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on passe à la manche 2, de, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Il faut que j'arrive à 1 million avant la fin de la 7e manche. Et dans ce cas-là, c'est gagné. Sinon, c'est perdu. Je n'ai jamais gagné. Ça sera que ma quatrième partie. D'habitude, je joue un peu plus, mais. Je Pas forcément envie de jouer beaucoup plus, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. C'est pas un gros coup de cœur quand même comme jeu. Spoiler alerte, regardez quand même la vidéo. On est parti. Alors, comme c'est pas un énorme coup de cœur, vous allez aussi vite comprendre que je eh bien je suis pas très fort parce que mon investissement intellectuel n'est pas fou. En l'occurrence, eh bien je commence avec ça avec trois actions possibles. Pareil pour les employés, oui, je vous ai pas dit, je peux prendre des employés. Celui-là va me coûter 9, 8, 7, 6, 5 et je gagne directement le bonus immédiat et il y aura un bonus à la fin de chaque tour. Ils ont un coût d'entretien et ils ont aussi une réduction. Si dans ma société, j'ai les icônes qui leur correspondent, eh bien, ça me permet de finalement les acheter moins cher. Moi, j'ai une icône euh, équilibre vie sociale et professionnelle et équilibre... Enfin, ils aiment bien les, les congés payés, quoi. Est-ce qu'il y en a un ici qui a à la fois la balance et l'île Non. Euh, Celui-là ne me coûte pas très cher, ça me permettrait d'avoir une belle tuile. Voyons voir les portables... Ça me rapporte deux de valeur immédiate et une à la fin de chaque tour. Alors, il va y avoir de l'aléatoire. S'il ne vient pas me prendre les tuiles là, je vais pouvoir grappiller plein de points pendant assez longtemps. Mais si dès que j'ai pris finalement une action, il l'a fait juste de là à la foulée, je peux être aussi un petit peu dans le mal. Écoutez, on va faire les drones, même si ça ne me rapporte rien tout de suite. On va essayer de faire cette forme là. Alors, pour l'instant, pour faire cette forme là, ça ferait comme ceci, comme ceci. Il me manquerait deux ici. C'est une action quand même un petit peu chère pour le moment. Et il me manquerait deux, de deux, deux petits. Alors, je peux faire peut-être. Je commence avec 30, ouais j'ai de l'argent. Je vais essayer d'employer elle. Elle me coûte 9 pièces. C'est très cher quand même. Hein. Et en plus, je n'ai pas de minoration. Mais elle m'intéresse parce qu'elle me permet d'avoir tout de suite le petit qui m'intéresse. Et après, surtout, c'est deux tuiles à la fin de chaque tour. Donc 9. Je dépense 10, je récupère une pièce. Hop, c'est ma première action. Je l'ai ici. À partir du moment où j'emploie quelqu'un, je remplis directement et donc je gagne tout de suite le bonus, qui est une petite tuile de valeur 2, comme ça. On va la mettre plutôt au-dessus pour que vous puissiez la voir, en espérant que la lumière n'éclaire pas trop les cartes. Deuxième action, et eh bien, je vais sous-traiter. Je vais acheter pour deux pièces, et eh bien, l'autre pièce, l'autre petite pièce de valeur 2 qui me manquait. Donc deux pièces, ça me coûte. Euh, je récupère trois. Ça, c'est ma deuxième action. Et ma dernière action, eh bien, ça va de faire, être de faire les drones. Donc je mets bien les petites pièces ici, puisque l'automa, lui, le joueur virtuel, s'il veut faire cette action, il devra mettre des tuiles de la même manière. Il devra représenter exactement, hein, c'est comme je vous prenais le principe du générique, je trouve qu'il est euh, plutôt plus efficace même que les innovations technologiques. Il doit faire exactement comme moi pour avoir le droit d'être un générique et d'être commercialisé. Alors donc je prends cette innovation, le drone que je mets ici. Je gagne les bonus immédiats, en l'occurrence là il n'y en a aucun. Et c'est peut-être pas forcément le plus rentable à faire tout de suite, mais cest on jamais. Du coup maintenant j'ai deux icônes de réduction des coûts supplémentaires, la balance que j'avais déjà et le petit, euh, le petit bonhomme qui grimpe les escaliers, les possibilités d'avoir bah, une promotion. Voilà, moi c'est ma fin de mon tour. La fin de mon tour, hop, lui

Euh, compréhensible au départ, mais on s'y fait. Quand il se pose sur une carte capital risque, il la défausse. Et lui, il va récupérer ses icônes. Donc, deux en bien-être, une et deux, il va pouvoir l'activer, et un sur la balance. Alors, les pouvoirs de l'automa sont comme des pouvoirs assez pétés qui vont bien m'enquiquiner. Celle-là, je peux la défausser. Alors, le joueur défausse 7 lignes de code. Il ne récupère pas la différence, en l'occurrence, il n'en m'en restait que 4. Donc, je perds tout ce qu'il y avait. Ensuite, il avance de 3. Celui-là, 1, 2, 3. Ici, il n'y a pas de carte, il saute par-dessus le pion. Il va récupérer le headquarter, le QG. Et là, pareil, donc quand il a validé cette action-là, alors d'ailleurs, c'est même pas vrai, il le fait après, quand il a fait toutes ses actions. Donc à il n'aurait pas dû me faire défausser. Ce qui fait que ici, il est censé avancer sur le bien-être, mais il reste bloqué sur la ligne maximale, il ne revient pas tout de suite à 0. Sur l'île, il avance de 1 et l'escalier, il avance de 1. Voilà. Donc là, il a fait ses euh, deux actions avec ses cubes. Il va maintenant récupérer dans cet ordre-là, pour les mettre exactement dans ce sens-là, eh bien ses jetons. Et maintenant, il active ses capacités spéciales pour les cubes. C'est maintenant que je défausse cette ligne de code. Et après, il revient au début. Voilà, on arrive à la phase d'entretien. Oh là, en plus je parle fort, ça fait du bruit Bah, ça va. À la phase d'entretien, eh bien, je vais déjà gagner mes points positifs. J'ai une ouvrière et mon, ma fournitrice. Ils vont me rapporter tous les deux. Deux cubes comme ça. Enfin, ce pas des cubes d'ailleurs. Et une barre de 3. Ensuite, je regarde ici au niveau de mon drone. Il m'apporte 3 en valeur. Hop, maintenant ma société vaut 3, euh, 3 millions. Et une pièce. Par contre, j'ai des coûts d'entretien. Une pièce deux, trois pièces. Donc il faut que je défausse 3. Et deux lignes de code ici. Pour le drone et encore une fois et eh bien on ne rend pas la monnaie allez qu'est ce que je vais défausser je vais défausser ça si à un moment je peux pas payer et eh bien je vais devoir euh, défausser mais surtout je vais perdre deux fois deux valeurs dans de de, 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 de société si je le fais parce que j'ai pas le choix ok on arrive à la deuxième manche c'est à nouveau à moi de jouer avec trois actions donc idéalement et eh bien le drone il me le laissait il me laisserait longtemps parce que trois valeurs par tour c'est très puissant on remplit Normalement le marché, sauf là où il a ses cubes, on remplit pas tout de suite. Donc il restera deux zones de moins. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant euh, J'ai pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut voir ici Le chargeur de portable, ça permettrait d'avoir pas mal d'argent partout. Hein. 4 pièces, c'est assez intéressant. Un tout petit peu de valeur, mais l'argent, on aura vite besoin. Et pour faire cette forme-là, il faut que je me mette comme ça. Comme ça. Et après, il me manque deux, deux petits. Et de toute façon, il faudra que j'ai un autre et quarter. Alors sinon, on va peut-être plutôt essayer de faire le smartphone, parce que, écoutez, regardez, le smartphone, j'ai quasiment déjà la forme. Hop, si je mets ça comme ça, il me manque juste, eh bien, un L. Et un L, je peux l'avoir avec lui. Euh, donc lui, ça me coûterait 7, d'ailleurs, c'est une femme. Est-ce que j'ai une île Oui, donc ça me coûte plus que 5. Est-ce que j'ai des escaliers Oui, ça me coûte plus que 5, enfin 5, 7 moins 2, 5. Donc je vais l'employer. Hop, ça me coûte 5 pièces, je le prends. Immédiatement, eh bien, je gagne le L, qui me permet justement de terminer la forme que je voulais faire. Je remplis le marché en décalant tout le monde vers la droite. Ça, c'était ma première action. Je ne peux pas avoir deux deuxièmes euh, produits tout de suite, il faut que j'ai un Headquarter. Donc, je vais prendre un Headquarter, un Headquarter qui me permet, qui ne me coûte pas trop cher d'entretien, 4 versus 3, bon, ça ne change pas grand-chose. Euh, les escaliers je les ai déjà, le euh, l'île je les ai déjà, la balance j'ai déjà aussi. Écoutez, je vais prendre celui qui me coûte une pièce de moins à entretenir. Et là tout de suite, premier et quarter acheté, c'est 5 pièces. Et attention, il va falloir que j'ai de l'argent pour euh, payer tout ça. 5, 6, 6 pièces. Donc euh, attention à pas trop. Euh, ben bah non même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'argent pour les payer. Attention, ça peut aller très vite. Mais euh, ça c'était ma deuxième action. Troisième action, eh bien, je vais aller faire le smartphone. Donc je mets du coup mes tuiles, on vérifie que c'est bon. Hop, le petit, le grand. Mais c'est important de créer des produits, hein, des lancers, c'est comme un petit moteur de points de victoire et quand même d'argent. Donc il faut aller les faire. Ok, c'est bon pour le smartphone. Je vais prendre l'innovation. Hop, je peux la mettre. Immédiatement je prends une valeur et je gagne 5 pièces. C'était mes trois actions, c'est à lui euh, de jouer. Il va avancer le pion blanc de 5. 1 2 3 Non, il faut que je remplisse tout de suite avec le hard quarter moi. 1 2 3 4 5 quand il est sur l'employé. eh bien, il gagne tout. Pas que le bonus immédiat. Alors, dans ce jeu-là, il y a quand même pas mal de règles où il faut interpréter. Et sur BGA, il y a peu de questions. Toujours les mêmes et surtout il y a zéro réponse. Alors il les garde, je pourrais aller lui, lui voler si je veux, mais euh, on ne le fera sûrement pas. Parce que débaucher, ça coûte 15 dollars, donc sûrement contre un autre joueur ça peut être intéressant, mais là sur l'automate, ça vaut pas le coup. Allez, l'eau une et deux. Hop, il prend ce QG-là, il avance deux fois sur l'île. Une, deux, il arrive sur sa carte et une fois sur le bien-être. Alors, espérons que ça ne soit pas l'action rouge. Ok, ça reste une action bleue. C'est de moins mauvais augure. Il prend ses tuiles. Une rouge, énormément, il y en a encore une autre, et là c'est un point de règle qui n'est pas expliqué justement dans les règles. Est-ce qu'il défausse celle à gauche pour re remplir Moi je pars du principe que oui, mais ce n'est pas dit. Aucune idée de s'il faut défausser la plus à gauche, si on arrête de lui remplir ou pas. Il n'y a pas de réponse à cette question, et vous verrez qu'il sera souvent blindé. Il ne va pas beaucoup dépenser lui au final de, de cartes. Ok, action spéciale ici. Le joueur augmente le salaire de deux de ses employés. Et donc pour augmenter le salaire, eh bien on met un petit jeton. Alors deux des employés, deux, j'en des... ai que deux, donc hop. Maintenant chacun au lieu de me valoir trois d'entretien, ça sera quatre d'entretien et ça va commencer à piquer un petit peu. Hop, et ben phase d'entretien justement on va gagner les tuiles, euh, deux petits angles, deux rouges, un un de deux et un L. Ok, ensuite trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4, 5, ça avance fort. Par contre, j'ai dépassé cette case. Donc maintenant, chacun de mes employés, A, et ben, comme ils, prend, euh, ils sont de plus en plus qualifiés, hein, et ben, on augmente de 1 leur coût d'entretien. Et là, je pense que ça va déjà faire mal. Je n'aurai pas l'argent probablement. À chaque fois que je passe ces icônes-là. Et donc, ben, il me rapporte quand même de l'argent. 1 plus 2, je gagne 3 pièces. 3 pièces. Allez, maintenant on paie tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut 16. Et j'ai 15. Donc il me manque une pièce. Donc là, ça va déjà faire très très mal. Malheureusement, c'est que je ne peux pas payer tout le monde. Donc je vais déjà commencer par payer ici. Mais mon QG, ça me coûte 5. Ok. Je vais payer euh, lui parce que je ne peux pas le perdre. Et là je vais devoir en le virer un des deux. Celui-là va me coûter 5 d'entretien. Donc écoutez, je vais garder. Euh, non, je vais garder celui de droite, plutôt. Non, celui de gauche. Je garde l'employé euh, de gauche, donc je le paie. Et celui-là, il me faut 5. Ben, J'ai que 4. Donc, eh ben, je vais le licencier. n'aurai plus besoin de le payer. Mais c'est très mauvais quand je licencie volontairement je perds 1 de valeur. Mais là, je perds 2 de valeur. Et généralement, il faut essayer de ne pas, pas perdre ses employés comme ça. C'est rarement rentable. Bon. Mais ce qui fait que j'ai réussi à payer tout le monde. Maintenant, il faut que je paye le coût d'entretien de mes innovations. 2 plus 1, 3. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié de les payer au, au tour d'avant. Euh, C'est bien possible, je sais plus. En tout cas, 3, je les ai. Je peux dépenser ça. Et on est bon. Oui, je crois que j'ai oublié de payer ce coût d'entretien à la manche d'avant. Est-ce euh, que j'ai pas oublié de payer tout le monde, d'ailleurs Je ne sais pas. Peu importe. Allez, et eh bien, manche 3. On reprend sur trois nouvelles actions. On va pouvoir remplir ici le headquarter. On va pouvoir remplir le fonds de capital risque. Il ne faut pas les négliger ces fonds de capital risque. Ça permet d'avoir énormément d'argent pour l'entretien et d'ailleurs des fois d'avoir un petit peu de valeur. Sachant que vous voyez qu'il y a aussi un coût de réduction avec les icônes et les fonds d'entretien. Les fonds de capital, on les paie en trucs comme ça. Ok, donc on a ici les chargeurs de portable. Toujours intéressant parce que ça peut rapporter 4. Mais il faudrait encore un QG, donc plus d'argent, et euh, ça me ferait deux actions pour un QG et une innovation. Est-ce que ceci dit, j'ai quand même la forme nécessaire Comme ça, comme ça, hop, donc plutôt comme ça. Là, j'ai la forme pour le faire. Donc en fait, je peux dépenser une action pour faire ça, une action pour le, pour le QG, et une action pour aller récupérer plein de thunes. On fait comme ça Allez, on fait comme ça, on va prendre celui-là, le, le, celui qui me rapporte plein de réductions, qui ne coûte pas très cher. Un ouvrier supplémentaire mais ah bah oui mais je peux pas je peux pas encore il faut dix il faut 10 pièces et pour l'instant j'en ai plus que 4 donc on va direct commencer par ça obtenez de nouveau les bénéfices instantanés de l'un de vos employés ça me coûte 20 ça me rapporte 20 pièces euh... et ici ça me permet d'augmenter un peu ma valeur ça coûte 4 codes alors j'ai une île donc ça me coûte plus que 3 j'ai euh, le bonhomme zen donc plus que 2 et un mec dans les escaliers donc ça me coûte plus que une Vais payer deux il hein. n'y a pas des trucs de valeur 1 donc je prends ça directement 25 pièces boum et en plus j'augmente ma, ma valeur de 1 bien maintenant je peux justement aller prendre mon euh, headquarter mon QG pour 10 donc je récupère 15 et donc et eh bien j'ai tout pile la forme je vais aller faire les chargeurs de téléphone portable hop qui me rapportera un petit peu d'argent à chaque tour hein, 4 pièces c'est euh, ok tout en plus ne, ne demandant pas beaucoup d'entretien Hop, donc voilà j'ai inventé ça c'est très bien moi j'ai fait mes trois actions donc je remplis directement les cases vides et ça va être à lui il avance le blanc de 4 1 2 3 4 malheureusement je vais pas euh, avoir très euh, d'ailleurs j'ai pas augmenté mon bonus hein, j'ai pas pris mes deux une deux et cinq pièces ne pas oublier quand même et du coup j'ai dépassé cette zone là donc et eh bien chacun de mes ouvriers, enfin de mes employés, augmente de 1 au niveau des coûts d'entretien. Hop Bien les mettre là, que je ne me trompe pas avec mon argent à moi. Donc je ne vais pas profiter longtemps de ce bonus, puisque eh bien, il le découvre. Lui, quand il est le second, il suit, il n'a pas besoin de dépenser les tuiles, il le fait automatiquement. Donc ça c'est bon. Je tac. On vire, lui il le fait. En fait, ça lui rapporte 0 points. C'est juste que comme il fait, il récupère la tuile. Second mouvement, et eh ben moi je ne suis plus seul sur le marché, je passe à la phase B. Ça veut dire que ça me rapportera toujours autant d'argent, mais par contre le bonus de 1 de valeur à chaque manche, et eh bien je peux me brosser. Hop, et puis du coup il défausse la carte aussi, on n'en aura plus besoin. Il avance de 2 le gris, une et 2, il reprend un employé et donc il gagne les tuiles. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut euh, déplacer tout et supprimer ou si on bloque. Il n'y a pas la réponse, ça nous fait perdre du temps, mais on va faire comme souvent dans les jeux. On continue de remplir. Bon, je n'ai pas la réponse. Et je pense que ça ne change pas grand-chose. Voilà, il gagne encore ses tuiles. Donc, hop, on redéfausse, on redéplace tout. Et pour le coup, il n'a pas avancé sur ces cartes-là. Donc il ne fait pas d'action spécifique. On va passer à la phase d'entretien. Hop, on remplit ici, on remplit. Là. Et voilà. Alors moi je gagne ici deux euh, angles, deux petits l et un i. Au niveau des points de valeur 3 et 2, je gagne 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je réaugmente la valeur du salaire de mes employés qualifiés. Et mon entreprise maintenant vaut 60 millions. Je gagne une pièce, deux pièces et quatre pièces. Je gagne donc 7. C'est correct. Maintenant, eh bien, on va payer tout ce petit monde. Déjà, ma société 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bah, finalement ce que je viens de gagner à l'instant. Elle, elle me coûte 1, lui 3, 4, 5, il me coûte 7. Donc 8 avec euh, ma créatrice. Et ici, ça me coûte 2, 3, 4 lignes de code. Et bien bah, écoutez, on va dépenser les, les deux petits angles, les deux petites L. Ok, manche 4. On n'est pas trop mal, on a fait la moitié de l'objectif, mais il faut quand même qu'on assure le coût monétaire et d'avoir toujours un minimum de lignes de code pour payer. Pour l'instant, il n'y a plus que cette société-là que je peux faire, enfin ce, ce produit-là, parce que ça, finalement, eh ben, je suis déjà dessus. Donc rapidement, peut-être que je ne vais pas créer plus de QG qui va me demander de l'entretien, mais que je vais peut-être aller rapidement virer ça pour trouver quelque chose qui me rapporte toujours de l'argent, mais qui me rapporte toujours aussi des points de victoire. Mais finalement, tant que j'ai ces 5-là, qui ne viennent pas me les chipper, je m'en sors plutôt bien. Ok, alors j'ai trois actions, il faut dans tous les cas que j'essaie de récupérer de l'argent, parce que là il me faut 7, euh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 par tour, donc je vais avoir du mal, surtout que je pense que je vais aller chercher un employé qui me permettra d'avoir encore des trucs en plus. La console de jeu quand même, est-ce qu'elle pourrait pas être intéressante Pour l'instant, euh, il me manquerait. Il me manquerait deux petits deux là. Ok, et je vais peut-être aller chercher un ouvrier. Celui-ci me semble pas mal, il me faut 3 d'entretien quand même. Il me permet d'avoir des lignes de code. Et pour l'instant, il ne me coûte pas grand-chose. Il me coûte euh, 5. Moins euh, la balance, j'en ai une. Une puce, euh, j'en ai une. Et le mec qui fait du yoga, j'en ai un. Donc il ne me coûte que 2 à acheter. Et par contre, il me coûte 3 par tour à l'entretien. Est-ce que c'est jouable Allez, je vais le faire. Hop. Je l'achète. Il faut comme des lignes de code, c'est important. Tac, donc tout de suite, je gagne ça. Qui ne me permet pas d'avancer totalement sur ce truc-là. Donc, ça, c'était ma première action. Hop, je redécale tout, sauf là où il y a le pion. La deuxième action, finalement, c'est que je vais aller refaire un, un, un truc comme ça hein. 20 pièces, 30 pièces, 20 pièces. Ok, les pouvoirs. Je peux échanger l'un de mes employés avec un employé du plateau, donc un qui finalement ne me sert pas à grand-chose. Vous ne récupérez pas les bénéfices instantanés. Ça pourrait être pas mal pour celui-là, quand même, histoire de virer, de réduire son salaire, pour prendre un truc équivalent. Et bah oui, je vais faire ça, ça me coûte 3 lignes de code. J'ai une réduction parce que j'ai une île et une puce, donc ça ne me coûte qu'une ligne de code, bah, on va dépenser 3. Hein. Je gagne déjà 20 pièces. Et le bonus, je peux échanger un de mes employés. Donc j'échange celui qui me coûte super cher là. Allez hop, j'ai trouvé quelqu'un de plus jeune que toi qui me coûte moins. Hop. Donc j'échange, hein. donc c'est gratuit. Hop, il me rapportera même un petit peu plus parce que là j'avais une valeur de 6 lignes de code et la 7 pour bah, 3, le même bonus de départ. Ok, ça c'est fait, je remplis directement avec un autre capital risque, et je vais peut-être faire un autre capital risque. Celui-là, l'accélateur de Hems, Scott Hems hein, bien sûr, ça me fait, permet d'augmenter de 2 ma valeur, et bah, ça me coûte aussi trois lignes de code, moins une réduction, mais de toute façon je vais payer au moins 3. Je gagne 20 pièces à nouveau, Là, voilà, comme ça je suis, je suis tranquille pour un petit moment, et en plus, bah, comme je viens de vous le dire, je gagne 2 valeurs, Hop, donc finalement ça fait que mon tour n'est pas totalement... Euh, Foiré, même si je crée rien, ok, et eh ben moi c'est tout. J'ai plus que ça, euh, mais ça ira, ça fera l'affaire. Allez, à lui, il avance de deux le blanc. Donc, les smartphones, et eh bien ça me rapportera plus que d'argent et en plus, pas beaucoup d'argent. Je gagnerai plus de valeur avec ça. Lui, encore une fois, il est second, donc finalement, il me le défausse sans dépenser ses, ses lignes de code. C'est viré le gris. Une, deux, trois, quatre. Alors là, c'est le drame. Il me prend aussi les drones, donc c'est-à-dire que j'aurais plus du tout de moteur d'avancer au niveau des valeurs. Et ça, c'est chiant. J'en ai pas profité très très longtemps. J'avais cinq valeurs à chaque tour. Maintenant, je me retrouve avec rien du tout. Sachant que le téléphone, les chargeurs, il me les a fait directement. Ça manque Ok, il prend une jaune et il n'aura pas activé ses pouvoirs à ce tour-ci. Donc, eh bien, on va pouvoir passer à la phase d'entretien. Ok, allez, bah déjà on va pouvoir remplir ici un projet avancé. Ils sont un peu plus compliqués. Là c'est quoi C'est du printed beef. Ça veut dire que c'est du buff euh, avec de l'imprimante 3D. Original, original. Alors le buff imprimé. Hop, donc là maintenant vous voyez, hein, si je le fais, c'est 2 de valeur et 10 de monnaie. Mais par contre la phase d'entretien c'est 4 et 4. Donc c'est ultra rentable. Par contre, euh, c'est 4 lignes de code aussi à, à chaque tour. Hein. Il suffit que je le fais et qu'au même tour, bam, il me le pique. Et euh, je suis un peu, un peu enquiquiné. Sachant qu'en multijoueur, normalement, quand on crée quelque chose, et eh bien, il ne peut, euh, peut pas le faire... Enfin, les autres joueurs ne peuvent pas le faire le, le même tour. L'automa, donc ça veut dire qu'on gagne au moins une fois eh bien le, le bonus de d'entretien. L'automa, lui, ne se casse pas la tête, il nous le prend, même si on vient de le prendre. Ce qui m'est arrivé hein, pour les chargeurs de portable. L'automa est un petit peu injuste sur ce, sur ce point-là. Allez, on a rempli l'entretien. Donc, euh, j'ai euh, deux petits l, deux grands i et un grand l. Au niveau de l'argent, j'ai euh, 4, 5, 6, j'ai 7. Je n'ai plus de valeur qui monte, malheureusement. Et on va pouvoir payer tout ce petit monde. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, ça va. On avait pris les, les, euh, les capitaux risques, donc ça permettait de, de pas mal gérer. Donc, là, il me faut 4 lignes de code à payer. Et eh bah ben, je vais dépenser. Alors, ça, je vais faire quoi plutôt là-bas Je vais déjà voir ce que je peux faire pour le, le buff imprimé. Et là, le problème, c'est que comme il me bloque ici ce tour-là, je suis aussi un peu coincé. Alors, tac. Ah, bah, ben, ça, je peux, euh, peux déjà quasiment le faire en me mettant comme ça. Comme ça. Et il me manque plus qu'un 3. Ok. Et donc, j'avais dit que je devais payer 4. Et bon je ne change rien. Je vais payer euh, allez euh, celui-là. Ok, cinquième manche. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cases à avancer en 4 tours. Ok, ok, ok. Eh bah bien, écoutez, je vais perdre une valeur pour euh, arrêter ce projet qui ne me rapporte qu'une pièce par tour. Ce n'est vraiment pas rentable. Deuxième, je vais euh, sous-traiter. Ah, où est-ce que je fais Est-ce que j'embauche Moi, il me manque une de valeur 3. Donc si j'embauche elle là, ça peut être pas mal, elle me donne deux lignes, elle me coûte 8 mais j'ai la réduction donc ça me coûte 6, je pourrais la payer normalement, sauf si j'ai un coup de pute ici là sur le, sur le tableau. Allez, je la prends l'employé, qui me permet d'avoir tout de suite euh, mon 3 là. Sous-traité, c'est vraiment quand on n'a vraiment pas d'argent. Euh, comme dans la vraie vie. <laughs> Tac, ok. Et donc bah, je peux aller faire le buff imprimé. Hein. Maintenant j'ai ce qu'il faut. Ça sera ma dernière action. Parfait. Là, normalement, je suis tranquille ce tour-ci parce qu'il a déjà dépassé. Donc, je suis sûr qu'il n'arrivera pas jusque-là ce tour-ci. Donc, je pourrais profiter de l'innovation euh, du bœuf pendant un petit temps. Hop, bah, du coup, j'ai une place vu que j'ai fait de la place. Euh, ça me rapporte tout de suite deux de valeur et 10 pièces. Ça, c'est bien. Et pour l'instant, c'est tout. Allez, à lui. Le, vent, le blanc, il avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, il regagne tout ça. Mais en pratique, j'ai la flemme de tout changer à chaque fois. Et comme je pense que ça ne change rien, il dépense ses tuiles que quand il est le premier, quand il fait l'innovation. Et finalement, ça n'arrive pas souvent. Parce que vous voyez, il y a 4, euh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a que 4 actions sur les 15 qui fait que qu'il va pouvoir potentiellement faire innovation. Et en plus, bah, il faut pas que je les fait avant. Donc finalement, ça, ça ne va pas beaucoup bouger. C'est un peu chiant. Donc écoutez, je ne vais pas vider. Il gagne, il garde l'employé dans son coin. Et c'est tout. Ensuite, eh ben, le cri avance de 1. Hop, il va faire le capital risque donc il augmente sur l'île. Donc ça, c'est les congés payés, la zénitude et la petite balance. Donc pour l'instant, il me fait pas... Il ne m'enquiquine pas. Il va gagner les tuiles-là, mais encore une fois, on va pas le faire. Ça change, je trouve, à rien du tout. Il n'a pas activé de capacité, donc phase entretien. Phase entretien, alors toujours un petit L, un grand L, un I, un I. I et un grand i de 4. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, non, il me manque une. Il me manque un petit l. Hop là. Maintenant au niveau de mes recherches, je gagne 4 en valeur ici. 1, 2, 3, 4. Attention, le salaire de mes ouvriers qualifiés augmente. Bam. Et j'en ai 3. Euh, j'en suis où euh, L'argent, je gagne 4. Plus 2, plus 4. Et eh bah ben, je gagne 10. Ok. Maintenant, on va payer tout ce petit monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc 19, ça va, j'ai encore l'argent, et au niveau des recherches, 4, 5, 6, 6 lignes de code, 6 lignes de code, et bah, écoutez, est-ce qu'on se dit qu'on va peut-être faire ça, est-ce que, euh, encore une fois, comment on peut déjà le commencer à, la... c'est pas français ce que je dis, est-ce qu'on peut déjà commencer à le préparer, ça, ça ne me permettra pas de le payer, mais attention qu'il y aura... Du gros et d'ailleurs c'est pas je vais pas tout de suite remettre la carte parce que ça me fait tricher techniquement c'est après que je sais la... que j'utilise la carte bon 4 lignes de code on va dire que c'est ça que je dépense parce que ça en vrai c'est un petit peu chiant à mettre sur les sur les lignes hein. allez hop je trouve que c'est moins modulaire voilà j'ai fait mon entretien donc maintenant je remplis au niveau des innovations une batterie euh, écologique et des panneaux solaires et eh bien, allez, on cherche les tuiles correspondantes. La batterie, elle est là. Le panneau solaire, alors hop, ça, c'est le second. Et l'innovation panneau solaire, c'est celle-ci. Un peu moins rentable, hein. ça va être plus facile à faire, parce qu'elle me rapporte moins de, moins de tout. OK, 1, 2, 3, 4, 5, là, il pourra peut-être aller m'embêter, aller reprendre mon boeuf imprimé, là. Allez, avant-dernière manche, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il me laisse tranquille, tranquille avec mon boeuf et que j'arrive à maintenir l'entretien, c'est gagné. Mais attention, là, il peut me faire mal. Il peut me baisser ma valeur, etc. Je ne sais pas ce qu'il a tiré comme carte, mais il peut me faire très mal. Trois actions. Trois actions. J'ai peut-être encore une fois perdre ça pour mettre quelque chose de plus rentable. Alors, ce qui m'intéresserait peut-être finalement, c'est d'aller faire les batteries vertes. Là. Ça me rapporte pas mal d'argent d'un coup. Ici, obtenir de nouveau les bénéfices d'un employé. Je gagne de l'argent. Ok, ça sera peut-être une action. Alors, les batteries vertes. Comment je peux faire ça Comme ça. J'aurais peut-être dû garder mon truc en 4 hein, finalement. Euh, comme ça. 3, 3, 2. Je peux pas. Comme ça, je pense que ça marche. Ah bah non, il manque toujours le petit truc là. Et puis oui, ça c'était totalement faux. Alors allez, concentre-toi. C'est pas très dur de faire un jeu comme ça. Ici, je sais que je vais gagner les bonus. Ok. Donc on va se mettre plutôt comme ça. Bon écoutez, après, mieux réflexion. Les batteries vertes, ça me semble compliqué à faire avec ce que j'ai. Euh, sachant que j'ai bien envie d'avoir un capital risque juste pour récupérer un petit peu d'argent, quand même pour assurer le coût, donc on va plutôt se jeter à partir sur euh, le, les panneaux solaires. Ça me rapportera un petit peu moins de, de, de points de victoire euh, instantanément, mais ça sera pas si mal. Voilà, et donc là, si je dis pas de bêtises, j'ai de quoi le faire sans avoir à rien acheter. Euh, donc je vais déjà encore une fois perdre un produit, donc je perds une valeur, hop, et je perds ça, les smartphones, c'est fini, je vais donc aller faire le panneau solaire, on va vérifier tout de suite que je ne me suis pas foiré dans mes calculs, mais <laughs> vu qu'il y aura eu un que de deux minutes, parce que j'ai vraiment bugué, on est bon, donc je peux récupérer ça, cette invention-là, qui me rapporte tout de suite, bonus et médias affichés ici, de valeur. donc malheureusement, eh bien, on Augmente le salaire de toutes ces petites personnes là et je gagne quand même euh, 10 pièces. Bon, ça comprendra leur salaire. J'ai donc fait deux actions. Il me reste une dernière. Et eh bien, je vais faire ça. Ça me coûte 3 moins. Et eh bien, j'ai le bonus donc ça me coûte 1 en soi. Bah, du coup, je vais dépenser. Je vais dépenser ce petit truc de 3 là pour récupérer tout de suite 20 pièces. Comme ça, j'assure le coup. Je suis à peu près sûr d'avoir l'argent pour entretenir tout le monde. Et je peux obtenir de nouveau les bénéfices instantanés d'un de mes employés. Et bien, je vais prendre celui-ci qui finalement me rend la tuile que je viens de dépenser, qui m'en donne une autre. Voilà, ça c'est fait. C'est donc maintenant à l'automate de jouer. On espère qu'il me mette pas trop cher avec ça. Il avance de 3 ici. 1, 2, 3. Parfait. Hop, il gagne des tuiles. Il défausse tout ça qu'il n'a pas utilisé encore depuis le début. Il avance de 4 le gris. Alors, je n'ai pas rempli ici. Hop. Une, deux, trois et quatre. Coup de bol. Il n'y a qu'un bonus ici. C'est la balance. Mais il va quand même activer la balance. Ça sera du rouge. On va voir dans quelques secondes ce que c'est. Il gagne cette huile-là. Ça ne change rien. Alors, le joueur défausse trois lignes de code par employé. Aïe. Ça, ça peut faire mal. Trois lignes de code par employé. J'ai trois employés. Donc, il faut que je défausse neuf. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ben, je défausse tout ça. Ok, ça va, j'ai encore un petit peu de ligne de code. Et eh bien phase d'entretien, je gagne un petit L, un grand L, un I, un I, un petit L et une ligne de 4. Ok, maintenant au niveau ici, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1 milliard. Et euh, 5 et 4 et 4, je gagne euh, 13, 13 pièces. Hop là Maintenant, il faut que je paie tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hop Je suis toujours en positif. Et les lignes de code ici 4, 5, 6. Il faut que j'en paie 6. Et eh bah, ben, je paie les trois là. Et écoutez, c'est une victoire. On n'est pas encore à la septième manche. Et je suis tout pile à 1 milliard. Je n'ai pas besoin de dépasser plus. Je n'ai pas besoin de faire la dernière manche. J'ai gagné en moyen. On va juste regarder pour le plaisir qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu un bonus de plus. Le joueur retire une carte de son headquarter. Cela peut entraîner des licenciements ou des éliminations de produits involontaires. Ça, ça aurait été très méchant. Parce que si je perdais une carte, boum, je perdais euh, l'invention. Bon, en l'occurrence, je ne perdais pas beaucoup d'argent. Mais ça me faisait perdre bah, une perte de produits involontaires, de valeur négative. Et donc s'il avait enchaîné cette action-là, parce que le fruit, le fruit du hasard faisait que... Et eh bien, il jouait sur ça, et même sur ça, j'aurais pris méga cher, donc j'ai quand même eu de la chance. On va, se revoir, on va se retrouver tout de suite pour mon avis, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits défauts dans ce mode solo. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et eh ben voilà, c'est une victoire sur ce jeu, une des rares victoires que j'ai sur ce jeu, mais ça fait partie euh, des défauts que je vais vous citer euh, tout de suite. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines en vidéo, donc vous connaissez déjà un petit peu mon avis sur le jeu. Là, c'était plus la vidéo qui avait pour objectif finalement de vous montrer à quoi ça ressemblait vraiment in-game. Moi, finalement, en point positif, je ne retiens pas grand-chose de ce jeu à part ce thème original et le fait que c'est un jeu de boss de tuiles, mais finalement, les tuiles, on va les utiliser que pour créer les objets et que finalement, ça va être une source, ça va plutôt être un engine building. On va essayer de faire des objets pour rapidement gagner des valeurs et essayer de garder le monopole de ces sociétés le plus longtemps possible. Ce que j'ai bien aimé, c'est que thématiquement, c'est, en tout cas dans la règle, c'est suffisamment bien expliqué. Alors moi j'aurais fait le même jeu, mais clairement avec la pharmacie, avec une industrie pharmaceutique, je trouve que l'exemple des génériques et des princeps permet beaucoup plus facilement de comprendre les mécaniques que finalement des technologies euh, comme euh, créer des chargeurs de téléphones portables, etc. Bref, le thème est rigolo, l'idée de gameplay est assez originale et euh, on va dire assez peu vue. Par contre le jeu est bourré de défauts. Il manque plein de pressions dans les règles, des pressions qui ne sont pas présentes sur BGG. Il n'y a aucun suivi de l'éditeur original ni des auteurs. Les questions que je retrouve sur BGG, les 4 ou 5, ce sont les mêmes que moi je me posais et personne n'a pu répondre. Alors il y a des consensus qui se sont faits entre joueurs pour des interprétations, etc. Mais il manque clairement beaucoup d'informations et ça, c'est bien dommageable. L'idée du solo avec ces cartes qui nous, euh, si on arrive jusqu'à la validation de la carte, va nous mettre un sacré coup derrière la tête, ça c'est rigolo. C'est très inconstant en fonction des icônes que va gagner euh, l'adversaire des cartes que vous allez tirer. Il y a des parties où il va vous laisser tranquille, où vous allez rien subir. Des parties au contraire, il va vous faire très très mal. Il va vous faire perdre quasiment tout votre argent, etc. C'est très aléatoire, trop aléatoire. Ce qui est le plus aléatoire, c'est est-ce qu'il va vous prendre vos innovations ou pas. Parce que finalement, dans le mode solo, si vous créez vos objets assez rapidement, bah vous engrangez des points. Des gens engrangez des points et des des points là où en multijoueur on va rapidement se dire, bah lui il commence à prendre l'avance, je m'en fous, ça m'aide pas, mais on va lui bloquer son innovation pour que bah, finalement il gagne plus de valeur. Là en solo, si l'aléa de la carte ne nous fait pas tomber l'automat sur notre carte, eh ben, on va gagner, on va engranger des points tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou au contraire, il y a des parties où dès qu'on va faire eh bien, une, euh, un objet de le même tour, alors qu'en multijoueur il faut attendre un tour euh, après, le même tour il va nous bloquer, donc finalement on aura perdu un tour à dépenser plein de ressources pour rien. Donc, c'est très inconstant. Des parties vont être très simples, des parties vont être très dures sans aucune raison particulière. Et ça, c'est un petit peu frustrant. D'autant plus que finalement, niveau stratégie, on est assez limité. Le but, ça va être d'avoir deux ou trois objets, de les laisser fructifier et après de spammer les fonds de capital risque parce que ce sont toujours des pouvoirs très puissants qui vous permettent d'avoir plein d'argent qui, clairement, vous permettent d'être tranquille niveau de la phase de ressources et de profiter de ces gros bonus. Donc, niveau stratégie, on est assez limité. On va rapidement avoir l'impression de faire un peu toujours les mêmes parties et. La partie va juste dépendre de est-ce que l'automat va être eh bien, infernal ou est-ce qu'au contraire, il ne va rien faire. Donc clairement, je pense que c'est un jeu qui manque clairement d'équilibre et un jeu qui manque quand même de travail au niveau de la rédaction des, lèvres, des, lèvres, des, des, des règles, pas des lèvres. Une petite idée originale, un petit thème pas trop vu dans les jeux de société, mais clairement, c'est insuffisant. Si vraiment vous êtes intéressé, allez-y, testez-le, mais essayez de le tester chez un ami avant de vraiment vous le procurer. Pour moi, ça vaut un zogma de bronze. Plus, il était finalement même à pas grand chose de ne pas voir de zogma du tout. Voilà, c'est tout pour mon avis sur le jeu. Dites-moi si vous vous y avez joué, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse quand même ou pas du tout, si et eh bien vous trouvez euh, que mon avis était pertinent ou pas. Il y a un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse quand même malgré mon avis assez sévère sur le jeu. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.